Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous parle de thé et plus particulièrement de thé détox. Il y a plusieurs revues qui ont été faites sur des thés détox, sur Bouti, etc., etc. Moi j'avais envie de faire la mienne sur le Sinti Detox, donc que j'ai trouvé sur un site australien en suivant une australienne ou une américaine sur Instagram, je sais plus. Donc ça se présente comme ceci, le nom du thé. Je vous le montre hein, parce que mon anglais, voilà. Et bof bof. Donc ce thé, c'est pourquoi, pour qui? Pour toutes celles qui veulent perdre quelques kilos, 2 à 3 kilos. Je pense pas que ça puisse aller au-delà. Si vous avez 10 kilos à perdre, je vous conseille pas forcément d'acheter ce thé pour les perdre. C'est pas une potion magique non plus. Donc moi, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a détendu les intestins, ça m'a fait perdre 3 kilos la première semaine, ça m'a affiné la silhouette. Et donc je vous montre tout de suite comment se présente l'été. Donc j'ai d'abord acheté le pack 14 jours. Donc, qui se présentait comme ceci, avec juste la différence de marqué 14 au lieu de 28, plus un petit sachet. Donc sachant que pour eux, le thé se présente en deux parties. Donc vous prenez un premier thé qui est un thé en vrac, donc qu'il va falloir mettre, hop, je vous montre, voilà, un thé en vrac qu'il va falloir mettre dans une boule à thé comme ceci. Ça coule. Donc dans une boule à thé comme ceci. Faire infuser 8 minutes, etc. Boire le thé, ça c'est logique. Et ensuite vous prenez ce thé là. Donc ce thé là c'était présenté en petit sachet où vous retrouviez c'était quoi? Organic cinnamon. J'avoue, je sais pas ce que c'est. Donc organic cayenne pepper, donc du piment de cayenne. Et apple, la pomme. Et donc vous buvez ces deux thés, celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, à 10 minutes d'intervalle. Le mieux, il me semble, que c'est de les prendre le matin au réveil. Comme ça, ça vous draine directement le corps, ça vous met comme ça bonne humeur le matin. Après, si vous n'aimez pas tout ce qui est épicé, tout ce qui pique un peu la bouche, je vous conseille pas de prendre le 14 jours, parce que dans le 14 jours, justement, il y a ça, les petits sachets avec le piment de cayenne, etc. Moi, la première fois que je l'ai bu, je me suis dit, j'arriverai jamais à tenir 14 jours avec ça. En fait, si, je m'y suis habituée. Donc, sur ces 14 jours, vous avez un plan d'action, en gros, à tenir, qui vous fournissent avec, donc qu'ils appellent le Free Eating Plan. Si vous allez sur le site, donc que je vous mettrai en barre d'infos, vous aurez le plan qui est téléchargeable gratuitement. D'où son nom, Free. Et avec ceci, donc sur le plan, vous avez des conseils pour bien vous nourrir, pour bien dormir. Donc pour bien vous nourrir, ce qui équivaut à... Ils vous disent ce qui est préférable de manger, ce qui est préférable de ne pas manger. Ils vous conseillent sur des menus pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Voilà, après c'est pas un plan de régime structuré, etc. Ils préconisent pas non plus un régime, c'est pas des diététiciens ou des nutritionnistes. Non, c'est juste qu'ils vous conseillent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Après, je suis pas non plus là pour vous dire ce qui est bien de manger ou pas manger, parce que moi j'en sais rien, je suis pas non plus diététicienne ou nutritionniste. Moi je vous parle de mon expérience, je sais que moi ça m'a aidé, ça m'a fait perdre donc 3 kilos, ça m'a affiné la silhouette, ça m'a détendu. Donc moi j'ai franchement adoré ce thé. Et du coup j'en ai racheté, donc j'ai racheté le pack 28 jours, qui coûtait 10 à 15 euros de plus. Donc c'était même préférable d'acheter le 28 jours, mais bon, la première fois je me suis dit, si j'aime pas du tout, je peux acheter 28 jours, ça sert à rien. Sauf que si vous n'aimez pas tout ce qui est épicé, je vous conseille le 28 jours, parce que lui se présente en 2 paquets de thé en vrac. Donc sachant que le thé en vrac, lui, est pas très goûtu, donc si jamais vous aimez bien le thé, ça va aller, si jamais vous aimez pas tout ce qui est épicé, ça va aller aussi. Par contre, il n'y a pas trop de goût, donc si jamais c'est ça que vous recherchez dans du thé, c'est pas la peine d'acheter ça, parce que ça n'a pas vraiment le goût de thé, ça a le goût de plante infusée, quoi. Voilà, donc sur les sachets, ils vous mettent hein, tout ce qui compose le thé. Ils vous disent voilà, que c'est pour 100% australien, naturel, sans gluten, sans caféine, sans préservatif, sans conservateur, sans additif. Et que surtout c'est pas laxatif, parce que ça apparemment c'est beaucoup qui disent que les thés comme ça sont laxatifs. Non, vous êtes juste à vous détendre le ventre, du coup c'est laxatif, mais c'est pas laxatif.
Voilà, donc le 28 jours, je l'ai toujours pas fini, je l'avais acheté il y a 2 mois, je crois. Ouais. Mais sachant que je ne bois plus tous les jours, normalement vous êtes censé le boire, faire vraiment des cures. Si vous achetez le 14 jours, vous buvez en 14 jours, sans jamais louper un seul jour. Le 28 jours, pareil. Moi j'ai décidé que le 28 jours, je le ferai en 3 mois, parce que j'avais envie. Donc je le bois vraiment quand j'ai besoin, quand j'ai envie, quand je me sens pas bien, quand je me sens un petit peu tendue du ventre, je me dis tiens, je boirais bien un petit peu de thé détox. Et donc voilà, mais j'essaie quand même de m'y tenir. Après, si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à vous y tenir, sachez que ça va rien faire sur vos kilos. Vous n'allez pas perdre de kilos si vous buvez une fois tous les 3-4 jours. Non, ça va vraiment vous aider. Moi, la première fois, ça m'a aidé parce que j'ai suivi le truc. Je me suis dit pendant 14 jours, voilà, je bois mes 2 thés tous les matins à 10 minutes d'intervalle. J'ai vraiment suivi le machin et ça m'a beaucoup aidé. Sachant qu'à côté, je n'ai pas fait beaucoup de sport, hein. Ne vous cachons pas. J'ai fait quoi, 50 abdos par semaine? Ouais, allez, on va dire ça. Et au niveau de la nourriture, j'ai essayé quand même de changer un petit peu mes habitudes alimentaires, parce que je suis pas du genre à manger très sain. Donc ça, c'est important, par contre, d'essayer de manger sain, équilibré, etc. De pas boire trop d'alcool, de pas boire trop de soda, etc., etc. Mais voilà, ce thé n'est pas une potion magique qui va pas vous faire perdre 10 kilos en un clin d'œil, non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce thé? Oui, donc les prix sont assez élevés. Par contre, ça va de 20 à 110 euros, je dirais, sur le site. Sachant qu'il y a plusieurs thés qui sont sur le site. Donc, vous avez ce thé-là qui est le thé détox. Vous avez aussi le thé stressless, donc qui va vous aider, lui, vraiment à vous détendre. Vous avez le thé pour se concentrer qui s'appelle Clarity. Donc, avant des examens ou avant une journée de travail, comme vous voulez. Le thé qui va enlever les maux de ventre qui s'appelle Tummy Tea. Et le thé, c'est quoi le dernier? Je sais plus. Si Sleepy Slumber, donc qui lui est un thé qui va vraiment favoriser le bon sommeil. Donc quand vous n'arrivez pas bien à dormir, vous prenez ce thé, ça va vraiment vous détendre, vous aider à vous endormir plus facilement. Donc celui-ci qui sera à prendre avant de dormir, que vous pouvez donc combiner avec le thé détox, ça il n'y a pas de souci, ils vous le disent sur le site, si vous voulez combiner les deux, il n'y a pas de problème. Sachant que sur le site tout est expliqué également, donc tout ce qui est au niveau des prix, la livraison est gratuite partout dans le monde. Donc c'est un site australien mais ils vous livrent partout dans le monde, ce sera environ 2 semaines de livraison par contre. Ouais. Mais c'est super bien livré avec un petit papier qui vous explique, qui vous dit retrouvez-nous si vous voulez suivre moi si vous voulez les suivre également sur Instagram, moi je les suis et il y a toutes les filles qui mettent leur progression en fait, à mettre une photo avant, une photo après. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas trop envie de montrer mon ventre sur Instagram, mais bon, pourquoi pas. Voilà, et donc il vous demande de vos nouvelles. Moi je sais que sur Instagram il m'avait demandé alors comment ça se passe, machin. Donc je trouve ça super sympa. Voilà, que vous dire d'autre à part que je vous recommande évidemment d'acheter ce thé parce que moi il m'a beaucoup plu. Et que à part son prix élevé, voilà, il a pas vraiment d'inconvénients, je dirais. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et il y a également un code promo de 10% que je vais vous mettre en barre d'infos avec le lien du site. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous retrouve les filles dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et sur ce, prenez soin de vous.